Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est? Avec un peu de plaisir, malgré nous connaissons, pays d'Haïti a traversé un moment extrêmement difficile là. Moi, trouvez-moi dans le micro ça, nous portons l'autre vidéo d'information pour nous. Nous connaissons, pas de trop de bagages de positif dans le moment là, qui a passé dans le pays d'Haïti, sauf que pays a l'iloc. Pays, l'iloc, ou bien si m'bavle dit pays, zone métropolitaine, capitale pays, et quelques coins dans capitale là, ben, loc, mesdames et messieurs, l'air du loc, c'est vraiment loc. Bon, de toute façon, nous commençons à habituer avec, avec question loc ça, parce que nous sommes, qui mauvais moment de passer. Ben, bah, y'a retourné, y'a un pile côté dans Port-au-Prince, t'as coup, dans zone métropolitaine pays, t'as coup Delma, la Libre, et toute zone sa yo, eh ben yo lok matin hein, activité yo paralysé et gen en pile banque qui parle ouvri pot yo, machine pas vraiment circuler et moun bon m'ap gade une vidéo talé a gon zone qui lok et puis gon monsieur avec un moto qui passe avec un moun derrière, eh ben gon individu gon jeune garçon et qui et campé des bike Kadli, ben qui tire wash un sou moun kap pase a, son bagay qui extrêmement compliqué. N'a pas rappelé à chaque fois que jan de mouvement sa yo fait, ben les amis, conséquence nan pile jeune qui te de baykad yo qui vin gros gang qui vin ap terrorise population après. Bon, bref, c'est ça qui a passé dans le pays. Nous capable de garder vidéo et sa yo, nous capable de garder photo sa yo. Ben pays a l'iloc sur le plan politique qui sa kap fait, rien de sérieux. Sinon, Ariel Henry nous songeait que tu parlais avant hier qui dit l'État, bon, il va ajuster le prix gaz là. Ariel Henry fait qu'on est l'État, pas qu'à continuer à subventionner gaz. Bon, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que. Pas qu'on est même. Mais, les amis, à un moment donné, je crois faut que nous pensions avec question subventionner Gaza. Parce que, bon, c'est vrai, quand tout le monde dit l'État subventionne Gaza pour la population, mais, oligarque, on pivot, Léo, c'est. J'ai l'impression qu'on peut bénéficier de subvention Gaza que nous-mêmes, dit Maléry. Nous-mêmes dit Valérie. Dans la zone nous là, dans l'espace côté n'a fonctionné, Haïti c'est seul pays côté gaz là li bas prix comme ça. Alors que nous pas produit gaz, nous connaît nous sont pays pauvres etc. Donc manque à gagner pour l'État li terrible, hein, li terrible, c'est des milliards. Un exemple très clair, par exemple, Nexogénère, par exemple, l'État a subventionné gaz, donc a payé gaz, il a acheté gaz là, non mais l'État, avec un prix que l'État a subventionné, et puis même Nexogénère a utilisé gaz là pour capable vendre l'État courant, tête neg. C'est juste pour montrer, hein, c'est son exemple que je prends, par exemple. Pour montrer comment bagay ça compliqué, mais malheureusement, il y a des gens qui pensent à la tête dans le pays. Depuis que nous sommes dans l'opposition, ça qui est plus facile, là, c'est l'idée, c'est l'idée dans la bouche, li, parce que le besoin, moun suivre li, le besoin pour. Il besoin, comme si, assurer l'élection. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On prend exemple André Michel. André Michel qui a parlé de ça, de l'Oxa, de ça qui a passé actuellement là dans le pays. Mais définitivement, même là me connait parler nous. En pile là nous connait pas ouais qui ça me connait dire ou bien connait ignorer au contraire nous connait jouer. Mais j'ai des déclarations ça va faire entendre au même pour capable comprendre une série de bagailles. Avant que me fait entendre intervention André Michel fait matin sur ça qui passé dans pays là, m'a fait entendre une ancienne intervention que il était fait. Intervention ça que me va faire entendre là, c'est intervention que André Michel t'est fait. Le 12 juillet 2018, nous songeons, et 7, 8, 9 juillet 2018, c'était premier épisode Pays Loc. Jovenel Moïse était pas son mauvais moment, il était brisé, il était écrasé, c'est un bagage terrible. Hein? Nous songeons? C'était premier épisode que Pays Loc, que Pays à la balle connaît. Entendez qui s'en dit, Michel te dit, et puis après, je vais me faire entendre ça le dit, je dis. Bon, quelques minutes,
connaît ou pas un exemple, mais faut entendre ça. Allez, entendez, Jean-Michel t'a parlé. Dans le secteur démocratique et populaire, ça passe dans le pays, et surtout dans la zone métropolitaine, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est la population qui exprime frustration. La population exprime énervement. Jovenel fait 15 mois sous pouvoir, il fait 15 mois la merde moun yo, la énervé moun yo. Premier ça le fait, il rive président le monte gaz. Il était monte gaz en première fois. Alors si on a campagne électorale li, il était dit si on moun monte gaz ou c'est criminel. Mais là on fait ça. Même si moun yo pas comprend la rue, moun yo fâché, moun yo énervé. Deuxième bagage Jovenel Moïse fait pour énerver population hein. Ouvrier factory prend la rue, mande 800 gouttes comme salaire minimum, li campé dans figure le baro 3 d'aucun. Mais c'est énervant, c'est frustrant. Troisième bagaille. L'année fin président, li rale 123 millions de dollars américains dans caisse l'état, li baye nèg qui te financer campagne. Elle pa baye peuple rien. Moun yo frustré. Quatrième bagaille. Li pote un budget dans parlement, majorité coupion l'en voter. Peuple a pris la rue, manifesté, mandé rentrer budget, a, li mette béton dans oreilles, il pas tande moun yo. Moun yo énervé, moun yo frustré. Mais là tout bagay sa yo fait, koun yo vin décidé monter gaz sou yo. Alors que tout moun di ou pas monter gaz, ou monter quand même, population an énervé, li fait colère, li manifesté frustration. Faut nous reconnaître, faut nous courage pour nous reconnaître. Ça qui passe dans pays a côté grand pile monde qui perd du business yo gen du feu qui mette dans business moun gen pillage qui fait dans bien monde c'est les bagailles que nous même dans secteur démocratique là qui respecte bien monde qui respecte la vie monde nous pas souhaité nous pas jamais souhaité ça arriver mais le principal responsable de cette affaire c'est Jovenel Moïse lui-même comme président heureusement quitte ces monde dans peuple là qui est victime. Qui c'est moun nan classe moyenne qui perd du ti machine yo? Qui c'est moun nan secteur privé a qui c'est plus gros victime yo? Moi li note forum économique secteur privé a, yo reconnaître premier responsable ça qui passé a, c'est Jovenel Moïse. Jovenel Moïse son cadavre politique, c'est dans cimetière pour nous avec. Nous tout profiter. Nous tout profiter dénoncer répression qui commence à faire dans quartier populaire. Ça, c'est André Michel qui t'a parlé. Ça, c'est André Michel qui t'a parlé. Ça, c'était juillet 2018, les amis. Entendez André Michel, je dis, hein, qui a parlé, qui a réagi sous décision Ariel Henry prend là pour monter gaz. Allez, entendez. Cette réaction qui vient et nous observer notamment hier, soudainement par rapport à l'annonce justement qui produit que ton livre de Michel. Bon, très bien. Effectivement, moi, je suis annonce pour le ministre là, prise de parole pour le ministre là. Moi, je pensais que l'autre autorité dans le gouvernement, l'autre monde qui est dans le gouvernement, a besoin de plus de détails sur prise de parole pour le ministre là. Déclaration pour le ministre là, c'est pratiquement une déclaration de principe. C'est-à-dire, il y a des principes que lui évoquait, mais il faut bien plus de détails sur lui. Et hier soir, je parlais avec le Premier ministre, et sous question, il dit très clairement qu'il a continué à consultationner avec les différents secteurs de la vie nationale sous question augmentation ou pas du gaz là. Moi, je pense que son très bon débat. Et moi-même, moi, j'aime un débat qui doit pile contradiction. Parce que nous vivons de contradictions, nous sommes contradicteurs professionnels. Et chaque fois que mon gaz qui devrait monter, ou toujours tendez qu'on a un problème politique ou un problème social, nous songez, M. Privert, tu as essayé de monter gaz là, Jovenel Moïse en 2016, de regretter mémoire, qui était candidat à la présidence, qui était monté dans la radio. Il dit, on moun qui monte gaz sous peuple là, moun sa, ils sont criminels. Le Jovenel Moïse, qui n'est pas comme président de l'élection, le relais privé, il dit, privé, monte gaz à moi, non. Parce qu'on a besoin comme là, moun fonctionner. Privé, pas monter là.
Le Jovenel Moïse, le président lui-même, il va essayer de monter gaz là. Nous-mêmes qui t'en fait Jovenel Moïse, André Michel, avec tout le cavalier Paul Kalio, dit attention, pas monter. Pas monter. Et me songer toute déclaration, nous tous ont été faits ensemble. Je dis à Ariel Henry, le premier ministre, dans les circonstances que nous connaissons, lui décider, faut qu'il augmente le gaz là. Et je dis encore, il y a un monde qui dit pas monter, monter, pas monter. Ça veut dire qui ça pour moi, comme citoyen, comme monde avisé, monde qui n'a exercice académique, exercice politique, tout. Ça veut dire nous devons des choix de société. Nous devons débattre pour nous trancher collectivement comme société. Parce que nous tous nous disons, gaz là, c'est 9 milliards de gouttes de subventions coûté l'État chaque mois, qui représentait deux fois la quantité d'argent l'État a besoin pour payer fonctionnaire l'État, pour payer juge, pour payer commissaire de gouvernement, payer policier, payer monde qui travaille dans le système santé, médecin, infirmière, payer tout le monde qui travaille dans l'État. C'est énorme. Maintenant, bon choix, vous le faites comme société. Est-ce que nous continuons pour l'État payer subvention, ou bien est-ce que nous avons réduit? C'est une question de choix à faire. Maintenant, est-ce que si il aurait tiré subvention, dans la balle disponible, effectivement, sous marché. Parce que la plus grosse catastrophe qui est capable de faire, c'est si on fait une augmentation, et puis après augmentation, le gaz a continué pas disponible. Et ça me dit que le discours pour le ministre, il faut qu'il détaille, il faut qu'il y ait plus de garantie, il faut qu'il y ait plus de communication là-dedans. Mais voilà, question encore. Et je suis d'accord avec un commentateur politique, qui dit, le capac a décidé comme ça pour le dire là pour tirer subvention. Parce que gaz là, c'est pratiquement, il y en a rare côté, l'État baille population en côte main. Son discours qui a un sens. Il interpelle comme homme de gauche. Mais, si l'État dit là pour tirer subvention, vous exercez ce que vous faites. Est-ce que nous pour tirer subvention, pour nous capables de recruter 15 000 policiers en plus, sous 5 ans, pour nous bailler population en sécurité? Est-ce qu'on a produit les subventions pour nous capables de construire 300 écoles en plus? Est-ce qu'on a produit les subventions pour nous capables de moyens pour nous aider si les gens qui sont dans l'école primaire aller à l'école gratis, Jean Constitution en Mandel? Ça veut dire quoi concrètement? Il y a un débat à faire, il y a un débat à faire, il y a une communication qu'il faut faire à la nation, parce que moi aussi je suis citoyen. Mais Michel, ou dis-moi pour tirer subvention, pas dire nous sommes pas le faire avec lui, mais absolument. Mais Michel, oui. Vous parlez de débat. Là, nous ne sommes pas dans le cadre d'un débat, nous sommes dans le cadre d'une adresse à la nation du Premier ministre Ariel Henry qui annonçait que nous allons devoir ajuster le prix de l'essence parce qu'il est estimé que l'État mal besoin de 3 milliards pour financer des programmes sociaux alors qu'il a payé 50 milliards déjà pour subvention. Nous pas non débat, nous non annonce. Maintenant, sans penser par rapport à annonce ça. Non, moi-même, opinion pas moi, compréhension pas moi. Nous sommes dans une société démocratique. La société démocratique, son société de débat, son société de discussion. Je crois que le Premier ministre et son gouvernement faut qu'ils expliquent plus. Faut qu'ils parlent plus avec la population. Parce que moi-même, comme citoyen, à tant de cap garder, si on dit, faut que moi fasse sacrifice en plus. Parce que l'État a besoin de recruter 15 000 policiers en plus, m'a comprendre. Si on dit, faut que moi fasse sacrifice en plus. Parce que l'État a besoin de permettre, si le monde qui est dans l'école primaire, aller à l'école là gratis, m'a comprendre. Si on dit, faut que moi fasse sacrifice. Parce que l'État a besoin corps pour le construire 500 km de route, m'a pas comprendre. Si vous pas dire, m'a pas comprendre. Voilà pourquoi. Permettez que je vous interromps un petit moment, maître. Mm-hmm. Et là, toute réforme qui vient de gagner justesse lit, ou justificatif lit au niveau des finances publiques et de l'économie d'une manière générale, lit doit accompagner de la crédibilité des autorités et leur fait promesse pour aucun bill. En décembre 2021, c'est un ajustement des prix des produits pétroliers
qui était assorti d'une multitude de promesses, notamment de vouchers pour permettre que les gens qui ont un transport ou qui ont accès à gaz là à un meilleur prix pour ne pas impacter la population. Et nous avons vu une augmentation pratiquement de 100% du diesel qui a eu des incidences à court terme sur l'inflation. Maintenant, le pouvoir public, il a perdu crédibilité. C'est-à-dire, il y a une population tête parole déjà. Est-ce qu'on croit que il y a gagné assez de crédibilité pour vivre une population, cette population croyant? C'est la question de fond. Et là, tu poses, mon ami, la véritable question. Parce que nous croyons que l'État perd du crédibilité, l'État haïtien généralement, il perd du crédibilité dans la question, sérieuse. Parce que c'est menti sous menti, c'est bluff sous bluff. Et moi, je regrette que le gouvernement, ça, quelque part, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de kembe pour mettre cette série de partenaires sociaux. Et dans le mois de décembre, il y a des promesses qui étaient faites, une série de syndicats. Ces promesses n'ont pas été tenues. Et je le regrette. Et ça, pratiquement, mettait dans une situation qui est plus compliquée, je dis. Et comme hier soir, je parle avec le premier ministre sur question, on dit que nous sommes une société démocratique et il faut consulter le plus de gens possible. L'idée m'a consulté en pile monde. Moi, espéré, avec, on l'a consulté, on l'a pris avec un compromis. Et donc, il faut que le reprenne. Moi, je souhaitais que le reprenne, le premier ministre et le gouvernement, je te reprenne consultation, yo, avec syndicats, avec tout le monde, pour une solution qui sortit dans l'intérêt de la population en général. Mais tout compte fait, on est d'accord avec vous. Lorsqu'on parole pour qu'un bel, lorsqu'on a tête parole, demain, lorsqu'on a besoin de mon yo pour comprendre, yo n'y a pas comprendre. Bref, c'est ça la vérité. Maintenant, Michel, là, aujourd'hui, vous êtes vous êtes parti d'une alliance qui est le pouvoir, qui est déficit sérieux, déficit de crédibilité, qui est dans des situations, je ne sais pas dire là, et côté a fait des arbitrages et vous préconisez que vous faites dans le cadre du dialogue. Mais maintenant, il y a ce tweet que vous reprenez pour vous et des extraits ou qui apportent des extraits de prise de position assez radicale qui a partagé sur toutes les réseaux sociaux. Par exemple, ce tweet côté fait le 9 octobre 2019, qui dit, moi, après le gouvernement, Jovenel Moïse a décidé de monter prix gaz là, pour péter, biscuits, peuple là. Il y a un gouvernement qui n'a corruption, qui a gaspillé l'argent de l'État, pas de droit à monter gaz là. Il y a un gouvernement qui a volé l'argent, bah, bandit, pas de droit à monter prix gaz là. C'est démission Jovenel Moïse qui solution crise là. Je dis à des gens qui gagnaient, et même lecture ça du gouvernement, ils ont dit que la supporter gang, ils ont dit que la corruption là-dedans, et ils ont dans la rue, ils ont dit, ouais, bah ouais, faut monsieur Henri et aller. Quelque part, et vous avez fait école dans votre prise de position, ou qu'est-ce qui a changé, a évolué dans la lecture de l'homme politique entre 2019 et 2022? Bon, moi-même, je crois que position n'a pas qu'un bel. Et tout le monde connaît qui relation Jovenel Moïse te gagne avec les groupes armés. Tout le monde connaît ce pouvoir Jovenel-là, PHTK, qui était fédéré gang. Tout le monde connaît qui ça, M. Sayo fait dans la corruption. Si on voit les comptes Petro-Caribé, la Cour des comptes est confirmée, tout ça, nous te connaît. Bref, pour moi, si pour augmenter gaz, ajuster gaz, c'est pour un corps pour vous et by gang, c'est pour un corps pour vous acheter belle caille. En Haïti comme à l'étranger, son corps qui doit être utile à la population. Pour moi, son position de principe est une position de principe. Ça fait moins dire que je dis, il y a un exercice de communication qui est fait. Faut que le gouvernement explique très clairement à la nation pour qui ça a décidé de casser subvention, hein? Subvention en haut, effectivement, et qui ça a pu le faire avec l'argent subvention. Moi, je ne suis pas d'accord pour ne pas dire ou pour tirer subvention. Sans me dire ce que vous allez faire avec l'argent. Pour moi, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Et moi, je regrette tout ça, je suis bien content de faire. Et je dis encore, si je m'a parlé, je m'a dit,
si on dit ou a coupé subvention, faut dire qu'ils sont pas le faire comme là. Heureusement, le gouvernement ça a un minimum d'avantage parce que pas un monde qui commettait la relation à bandit, pas un monde qui commettait la corruption, c'est un avantage, il est capable de surfer sur l'île. Mais il faut qu'il parle avec la population pour lui dire qui ça veut faire. Je dis à Brad, à la nation dimanche là, et tension de gagner dans la rue, qui continue à gagner dans la ville de Beauvaisio. Et comme on juge à la nation, il met sur le feu, il met de l'eau sur le feu, et il y a des éléments de langage qui ne sont pas trop clairs, des clarifications de potée. Quelle est votre analyse, Michel, de cet exercice politique de dimanche? Pourquoi que le Premier ministre a fait un discours qui montrait que dans l'action, et quelque part, ce n'est pas négatif, de montrer que l'on est dans l'action politique. Même quoi que le discours du Premier ministre n'est pas suffisamment détaillé, et il appartient aux membres du gouvernement, aux autres fonctionnaires de l'État, d'amplifier le discours, de détailler le discours, pour nous comprendre, nous, pour l'exercice de communication qu'il doit faire sous l'île, ça me comprend. Même Abdiou Magaï, qui c'est en France, qui c'est aux États-Unis, qui c'est en Allemagne, de quoi annoncer que on va parler de taxes, Mounio a toujours fâché, a toujours gagné mon nom. Oui, c'est la règle, c'est le principe, évidemment. Et surtout, l'on l'État, qui perd du crédibilité, lui, et dans gaspiller corps, dans faire corruption, dans utiliser l'argent à droite à gauche, et sans aucune nécessité. Bon, si c'est que vous avez pour Mando, et les chèques envoyés par l'Itskitel à des Kazakh de la région Nord. Bon, attendez, Luc Kittel est ministre de l'Intérieur. Moi, qu'on est ministre de l'Intérieur, il a gagné des relations avec des Kazakhs. Dans quel cadre il voyait lui? Et moi, je crois que la question de Luc Kittel la mérite en tête de la part du Premier ministre. Moi, le Premier ministre, là, bon politique, il y a des efforts qu'il a fait pour lui assainir les finances publiques là. Il a fait faux pour ramasser comme dans le douane. Par exemple, dans le mois août, là, les gars sont ramassés dans le douane plus passer 8 milliards de gouttes. C'est pour la première fois que ça produit en Haïti. Mais moi, je pensais qu'il faut qu'on enquête sur le bail qui était là. Si il y a des chèques, 20 millions, 25 millions, 30 millions, si c'est ça, ça mérite une enquête. Même si il y a des désaccords avec les critères, je ne vais pas le courir, dire, il fait ceci, il fait cela. Mais je crois que cette affaire mérite d'être clarifiée. Il appartient au Premier ministre d'assumer ses responsabilités. Monsieur Kittel, vous dites qu'il faut qu'il y ait une enquête. Pourquoi? Est-ce que là, il y aurait suspicion? D'autres temps, peut-être, tout après l'amour, il y a une suspicion. Qu'est-ce que vous pousse à demander, monsieur Michel, une enquête? Non, pas d'abord, dis-moi, il faut dire l'auditeur qui dit que. Oui, ça me pensait depuis le chef. Il prend ça, ok? Ça me pensait de pile chèque qui voyait, et bah, là, c'est un scandale, un bon monde qui parlait de lui. Et moi-même, je pensais qu'il faut clarifier cette affaire. Et moi, j'espérais tout, j'en ai un camarade politique moyen qui mettait dans le gouvernement, parler avec lui. Qui est-ce pour parler? Oui, on est dans la commission de dialogue, là, on est cité dans le monde. Ah, ok, d'accord. Ok. On va parler de M. Moïse, et en passant. Bah, vous répondre. Ok, parfait. Maintenant, tout à l'heure, où je dis subvention, c'est qui ça par rapport à la masse salariale? Nous, encore, c'est pas, on détaille. C'est plus de deux fois de la masse salariale de l'État, chaque mois. Ok. Maintenant, moi, j'ai devant le budget 2021-2022 qui reconduit le décret de budget. C'est 210 milliards de gouttes. Et maintenant, la rubrique dépenses courantes, dépenses fonctionnement de l'administration, salaire et traitement, et pour exercice ça, salaire, c'est 68 milliards de gouttes, et lié, donc, et 68 milliards. Pour l'année. Oui, sur l'année. Donc, 50 milliards là. Et les subventions pour les pétroliers, c'est pour exercer ça, c'est j'ai bien compris, les données partagées. Maintenant, où sont évoqués là des détails? Maintenant, il y a plus de détails parce que c'est votre gouvernement. Où sont-ils? C'est l'une des rares fois que la douane réussit à collecter 8 milliards de gourdes. Et quels détails se avez à ce niveau, M. Michel? Et comment est-ce que cela a été? Les détails, comment la douane réussit à faire ça?
Moi, je crois que le gouvernement, le leadership pour le ministre, là, les rentrer dans l'exercice. Exercice, inciter le monde qui est dans le secteur privé, le monde qui a fait affaire avec l'État, le monde qui a importé, inciter au pays loin. Et moi, je crois que ça a commencé par des résultats. D'ailleurs, ça fait 3 semaines, nous avons lu la prise de position du secteur patronal, le secteur privé, qui très clairement dit qu'ils ont demandé tout le monde pour faire le maximum d'efforts, pour payer les taxes qui ont dû l'État. Moi, je crois que mon volonté de mettre de l'ordre au niveau de la douane, et moi, je crois que volonté ça, les balles en pile mâchoire gonflée. Et par exemple, bon, mon monde qu'on est, qui t'a commandé 1 million de dollars américains Volta, là, ils ont demandé qui ça. C'est bah elle a y est, lui déclarer que 500 000 bouts de pépin. On voit, on ancien député. On voit, on parle de parti politique. Député profane, Victor. On va citer nos mots, nous qu'on aime. Non, on dit, on dit alors. Oui, mais non, puis ancien député dans le pays. Non, mais Pierre-Pierre, t'es évoqué. Pierre-Pierre, t'es évoqué, non, lui, il était chef bouclier. Donc là, on fait la discussion, ça a été clairement, on ne peut pas prendre cette main. Mais lui-même, il dit, c'est pas vrai. Ou bien d'autres détails? Moi, je dis que ça me donne là, c'est des précisions que je gagne. Et il y a des gens qui te comptent la douane, ça y est, et qui, je dis, a obligé à payer. Mais évidemment, son effort que le gouvernement a fait. Parce qu'on est pour faire négocier la douane. On ne peut pas accepter de porter valise comme bas ou la caille. Depuis que la porte une valise comme bas ou pour deux valises comme bas ou pas payer l'État. C'est très positif parce qu'il y a une quantité d'argent qu'on a perdu dans la contrebande. C'est comme nous avons utilisé pour nous faire un pile bagaille dans le pays. Ouais? Et je pense que si nous arrivons dans la période intérimaire, ça fait que nous payons les taxes, que tout le monde paye l'État, ça y est, l'État, nous faisons un gros pas sur le chemin. On dit qu'on a demandé un vrai dialogue pour empêcher que le pays a sombré davantage dans le chaos qui a menacé de plus en plus. Moi, c'est un des différents monde qui a débattu, des gens qui estimaient que avec au niveau de subvention pour produits pétroliers à 50 milliards de gouttes, son budget de 210 milliards de gouttes globalement, et l'insoutenable. Des gens qui dit mais pendant qu'on dit l'insoutenable là, impôt indirect, c'est-à-dire taxe qui mobilise sur consommation population, dans la prévision budgétaire, c'est ça qui vient pour finir le 1er octobre. Là, il y a 72 milliards de gouttes contre 36 milliards d'impôts directs. Donc, quelque part, le peuple-là, il taxe. Et gagne des gens qui indiquaient également que, mais si nous, ouais, c'est dans le droit de gagner 600 millions de dollars par an qu'il a, mais je gonfle, bibiton, elle prend dans mes contrebandiers, ou quitte ça dans mes peuples-là. Moi, tendez toutes analyses. Il y a des gens qui gardent le budget à tout et qui se font l'appel chaque année. Ils ont gardé masse salariale, ils ont gardé traitement et subvention, ils ont gardé ça doit considérer. Ils ont dit clairement, c'est un désordre structurel sur la durée que nous avons là avec les politiciens qui ont plein d'administration publique là avec les gens. Avec des subventions cabayatoires à travers, avec des franchises cabayatoires à travers, avec tellement de veines ouvertes que l'État, dans ses mauvaises habitudes, il se paraît souvent, c'est dans le gaz d'aller, alors que c'est plus de notre pli, il y a des tensions sociales qui ont existé. Moi, tendez tous les débats. Et moi, je vais te commenter rapidement sur ça, avant de aller jambé dans des points qui sont plus politiques et qui ont rapport à la crise et à la sortie de crise. Bon, moi, je crois que. Population en général de tout gain des difficultés pour accepter payer taxes. Moi plus ou moins comprendre. Évidemment, il y a des pays où ils ont accepté payer taxes parce que l'État prend crédibilité au fil du temps. Mon Dieu, qu'on est taxé au pays, c'est qu'on cobre du poil dans poche X Y. Son cobre a tout l'embarras sous forme de service. Vous dites, je crois que nous allons croiser des chemins en Haïti. Il y a de grandes réformes économiques que nous faisons
faut nous prendre responsabilité, non, qu'on ne suspende gaspiller, faire mon cadeau, on prend 500 ou 600 millions de dollars américains que n'a perdu une endouement contrebandier qu'a plané, et est-ce que n'a pas bien subvention on produit pétrolier et qui tout comme ça nous situation aussi difficile lorsqu'il y a de services que nous besoin par les populations, hein. N'a plein nous dit nous pas assez de policiers, nous dit professeur pas bien touché, nous dit et l'école si nous pas gain accès à l'école, nous dit nous pas gain route. Bref, il y a pas de miracle, il est temps de réaliser qu'il y a pas de miracle en matière d'économie, en matière de finances publiques. Maintenant, l'organe société qui prend mauvaise habitude, l'État qui prend mauvaise habitude, ça y est, vous avez besoin de plus de concertation, de plus de dialogue social, ouais, pour capable adopter la meilleure décision. Mais en ce qui nous concerne, conseil, nous capable bail, premier ministre, là, il déjà fait discours dimanche soir, il fait des annonces très claires, et il déjà commence les consultations, et parce que nous avons besoin un peu de calme au pays, hein, nous besoin la paix. Et tant qu'on peut faire plus consultation, faire plus concertation, ou rencontrer plus monde, c'est tant qu'on est capable d'apaiser les esprits. Mais de toute façon, diriger, c'est choisir. Il y a des choix à faire. Et c'est des choix difficiles. Il faut assumer les choix. Il faut consulter le plus possible. Mais de toute façon, pour nous sortir, dans l'orbeil, nous est là, on l'état, qui n'a pas de capacité, et pour lui faire aucune intervention en termes de planification, en termes de construction. Si vous regardez le budget de l'État, et la grande partie du budget, il allait dans les frais de fonctionnement et zéro investissement pratiquement. Il y a des ministères qui gagnent 10 millions de gouttes pour investissement pour année, 10-15 millions de gouttes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement avec 10 à 15 millions de gouttes? Il y a des ministères qui gagnent 40 millions de gouttes. Ben, si c'est comme ça, on ira nulle part. Il faut prendre des responsabilités. Moi, attendez. Maintenant, discours premier ministre, arrivé dans l'occasion, premier anniversaire à Corsa, et à Corsa du 11 septembre, auquel SDP et au même nous partis. Maintenant, et un an après, il y a un constat, aggravation de situation socio-économique, yo. Il y a des chocs externes qui rendent plus grave, la guerre en Ukraine, l'enchérissement des prix des commodities, des prix de transport, du fret maritime, prix et produits pétroliers, et l'économie ne s'en remet toujours pas. Entrée sud Bordeaux-Bresland fait un remake, comme situation nous avons pratiquement une zone métropolitaine de Port-au-Prince, la grande agglomération urbaine de Port-au-Prince, moyen pour le premier ministre Ariel Henry pour la vie. Est-ce que selon vous-même, son bilan ou assumé? Et deuxièmement, est-ce que selon vous, premier ministre Henry est de plus en plus un cadavre politique ou pas? Bon, on croit que nous avons une situation extrêmement difficile. Haïti, une situation difficile. Le monde a traversé une situation extrêmement difficile. Malgré ce côté nous est là, le monde étant un petit village planétaire, nous payons également les conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a toute qualité de problème. Et c'est parce que bagaille est difficile, qui fait la guerre de politiciens qui dans le gouvernement Ariel Henry qui dit au pas la dernier, parce que bagaille est difficile. Et il y a un ministre qui dit au pas la dernier, il y a la dernière bataille, il n'y a pas qu'à assumer le gouvernement. Bon, comme nous autres, nous avons fait le choix de la transparence, et parce que nous choisissons pas la monomatie, nous assumons notre participation à ce gouvernement, et jusqu'à aujourd'hui, et notre ministre est encore au gouvernement. Bon, moi-même, ça me pensait. Et je dis, gagner en évidence que la situation va mal. La situation va mal parce que je dis, kidnapping, non. Mais quand même à continuer, même s'il faut reconnaître les efforts de la police, parce que quand même kidnapping, non, les baisser, il faut le reconnaître. La situation va mal parce que les gangs sont encore là. Donc on est gang, c'est pour fatalité. Son équipe monde qui a pris le pouvoir pendant les 10 dernières années, qui a choisi de gangsteriser le pays. Hein? Mais il faut faire face à ce bilan des autres collectivement. Malheureusement, c'est ça. L'homme a dirigé. Tout ça le fait, c'est nous tous qui pourrons le payer. Ensemble, la situation est difficile sur le plan politique
parce que jusqu'à présent, nous pouvons rejoindre le consensus nécessaire qui pour permettre que nous et rentre le pays à non processus ou que le plus vite possible, les pouvoirs soient transférés à des autorités que la population a choisi. Situation difficile parce que jusqu'à présent, et n'a assisté à l'augmentation des prix et des produits de première nécessité. C'est vrai, il faut le reconnaître, la BRH lui quand même fait des efforts qui permettent une atténuation dans l'augmentation du prix de l'argent, mais c'est pas suffisant. La situation est très difficile parce que pas gagner en situation de calme pays, en situation de paix. Et face à ça, comme moi toujours dit lui, c'est ma conviction, nous sommes dans la crise politique la plus difficile de l'histoire des 30 dernières années. C'est la première fois dans nos crises politiques, côté par aucune institution qui campait. On gagne la Cour de cassation, on gagne un Parlement, mais je dis à toute institution, à un Parlement dysfonctionnel, la justice crasée, plate à paix, seule institution qui campait là, son branche dans l'exécutif, là, le gouvernement et à sa tête, le premier ministre, qui est aussi le chef de l'administration publique. Pas dans l'autre institution qui tentait. Et c'est ça que fait, je veux dire, à l'autre acteur politique, à l'autre acteur société civile, yo, où on nécessite pour nous prendre la voie du dialogue. Et parce que, moi, t'as parlé avec un étranger, ça fait 2 semaines. Monsieur, dis-moi, crise n'a vivre là son crise extrêmement difficile sur le plan politique, économique et social, mais qui vont voler de crise institutionnelle la donne, qui est très puissant, de telle sorte que, je dis, pas de gens pour choisir monde qui pouvait nous diriger le pays. Pas de mécanisme institutionnel, pas de mécanisme constitutionnel. Ça veut dire le dialogue devient la seule option. Et ma petite monde qui est dans le secteur politique, là, pour vous comprendre ça, monde qui est dans la société civile, là, c'est eux-mêmes qui a fait et quelque part que M. Ariel Henry fait le plus de temps possible au pouvoir. Parce que tout autant, nous pas rentrer dans le processus de dialogue, pour nous jouer dans le consensus, pour nous créer conditions, pour nous mettre sécurité dans le pays, pour nous faire élection, pour nous faire institution au vin fonctionnel, pour nous passer pouvoir le plus vite possible à des autorités que la population a choisi, Ariel a prêté là. Donc, vous ne pouvez pas croire qu'Ariel Henry, son cadavre politique, dans certains mondes passés là. Non, attendez, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis à Ariel là, il n'y a pas aucun mécanisme pour retirer. Okay. Il y a deux mécanismes pour sortir, côté l'IA. C'est ou bien, nous mettons nous ensemble, gagner un processus électoral qui lance sous leadership un conseil électoral crédible, le ça, élection faite, la passer pouvoir normalement à des autorités que la population choisit. Deuxième possibilité, c'est la biologie. C'est là? La biologie. C'est-à-dire? La biologie. C'est-à-dire. Bon, dans des sons, être humain lié. C'est pas hypothèse. Et révolte populaire, pas la dernière hypothèse ou non? Pas de bagage. On parle de révolte populaire. Parce que nous sommes en politique. On a vu des régimes puissants et aller sous pression et souverain, M. Michel. C'est l'histoire politique qui compte montrer nous ça. Non, mais m'a dit un bagage bien. Pas oublier nous, une crise institutionnelle. Nous, une crise institutionnelle, pas oublier ça. Et je dis, comment on pourra le faire remplacer un premier ministre lorsqu'on parle aucune institution qui campait. Si je dis à Ariel Henry, mais qui t'a fait passer? Le Sénat, non, mais ça ne veut rien dire. Okay. Le reste du Sénat, ce n'est pas le Sénat, ce n'est pas le Parlement. Il faut faire très attention. Si je dis à Walmet et pays à nos précipices, au compte de quoi passer, c'est le gouvernement qui prend le chita, qui prend assurer la continuité de l'État. Qui paye ça? Mounio se prend la rue là. Il rentre dans le palais. Président obligé de retirer le colis. Même Mounio choisit, la population n'est pas d'accord. Non, parce que même Mounio encore, c'était déjà là. Alors, il faut que nous soyons beaucoup plus raisonnables. Comprendre que nous sommes dans une crise politique, ôtée par aucune institution fonctionnelle,
et que la meilleure chose à faire, c'est de se mettre ensemble, dans le dialogue, dans la concertation. Pour battre le gouvernement, on a pris même l'étude, ça, Michel. Pour nous gagner un compromis et politique pour permettre que nous allions. Dernière question, sous battre le gouvernement, on a pris même l'étude, ça. Bon, on voit, c'est que. Magique 9, tout ça, c'est une vérité. On va voir comment ça fait aucun côté dans le monde. Un groupe politique qui fait partie d'une coalition gouvernementale, et puis pour le même discours avec un groupe qui n'a opposition, même si à la vérité, dans tout le monde qui dit n'a opposition, qui n'a gouvernement, on ne va jamais ça fait, non? Mais où est-ce que vous avez droit à demander au sénateur Moïse ou pas répondre? Mais ça veut dire quand même. Monsieur Gary Pévolchal qui dit que Monsieur Moïse est son ami, Monsieur Moïse est dit pas rentrer dans le gouvernement. Donc, on the record, pardonnez-moi, on the record, je m'en tiens à ça en attendant que gagne. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre la parole, quittez-le au sérieux. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne pouvez pas prendre la parole, quittez-le au sérieux. Ok. Ok, Robertson, une dernière question. Premier ministre, m'adresse à la nation, il évoque dans les prochaines semaines un grand chit attendé. Il dit qu'il y a un effort qui a fait pour ça. Qui sont attendés de chit attendé ça, Emmanuel Michel? Bon, nous demandons au premier ministre ça. Pablier, nous faisons partie d'une commission de dialogue des signataires de l'accord du 11 septembre. Nous rencontrons en pile acteurs politiques, en pile acteurs dans la société civile là. Parce que pour nous, le dialogue, c'est la seule voie. Et parce que pour nous, le dialogue, là, il faut le multilatéral, multisectoriel. Et nous, déjà, transféré Bayo, une proposition de protocole de dialogue assorti d'un agenda de discussion, d'un pile qui réagit sous lui. Et nous avons déjà demandé au premier ministre de convoquer le plus vite possible la table du dialogue. Parce que seul monde qui a autorité pour convoquer la table du dialogue aujourd'hui, c'est le premier ministre. Il faut table dialogue-là permettre de nous soutenir à un consensus, où nous mettons sécurité dans le pays, où nous montons un conseil électoral crédible, où nous réaliser un vaste apaisement social qui doit descendre dans la population, hein? Et ensuite, pour nous mener un pays à dans l'élection, pour nous réaliser. Si nous avons visage mounio. Oui. C'est important. En tout cas, mes visages, mon Dieu. Mais yo, l'idée politique dans le pays. Entre temps, à cause de ce qui a passé dans le pays d'Haïti, là, un conseil de compagnie, normalement, tu es supposé un vol sur Haïti qui a annulé. Même pas en 2018, tu as commencé là. Allez, on va parler plus tard dans l'autre vidéo.